Excellences, mes amis, messieurs les ambassadeurs, honorables invités, monsieur le modérateur, monsieur le conférencier, mesdames et messieurs, gloire à Allah qui nous a permis de nous retrouver encore une fois en ce lieu pour réfléchir sur les facteurs de déséquilibre de nos valeurs, quelles prescriptions islamiques et éthiques civiles pour une cohésion sociale et un lien libre. Un thème d'une brûlante actualité choisi par notre ami Thierry Maradidal qui poursuit dignement le précieux legs de ces illustres conseillers qui sont El Hadj Mamadou Tall, Thierry Mondaga Ahmad Tall. Le choix a été porté sur un éminent conférencier en la personne du professeur Baïtiam. Nous vous remercions vivement au nom du Khalif et du président de la Pâche Roumane d'avoir bien voulu présider ces communes nos travaux d'aujourd'hui. Nous passons la parole à présent au modérateur de notre conférence, le professeur Abdelaziz Kébé, qui va introduire certainement le professeur Baïtiam pour sa conférence sur le thème d'aujourd'hui. Je ne manquerai pas de signaler tout à l'heure les délégations qui sont présentes ici avec nous et certaines autorités qui le viennent tout à l'heure. Professeur Abdelaziz Kébé, vous avez la parole. Sahabul Musni أزيان روحتي فهبت عليها الريح عبرة المشي ونيو يوحمي يتبني سلل يوحمي تبني رفلت لأن يوحمي ممر جمجبي دي فاتشي لندما يمكنتي فتح Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, dans le second tour de l'Alamin, proprement à la Wahon, dit le Réumi, moi pas le Réumi. Il connaît dans le monde de la Wichon, mon défunt Pondam, Chiligayem, nous beaucoup au Mourlo, défunt le Kobouch, Chiligayem. Nous sommes beaucoup plus nous sommes beaucoup plus ministre sans merci. Nous sommes Il y a des gens qui ont été appelés,
Sidi Aboubakri Missi Mansour, Khadim Général des Tidjans. Nous annonçons l'arrivée des tiers d'Omanéa de l'Ibad, serviteur de la communauté omaïenne, Ayman Bouhadar. Tiens, il est accueilli par le ministre du Travail et le ministre des Affaires étrangères, des Sénégal, des Sérieux. Brochure 8, tiens, le tête de ce nul.
Serigne Cheikh Tidiane Sy Maktoum radi Allahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakatihi dafa wax ni ni lañu mako joxe mom mo yaq lepp ni lañu mako joxe wala nak nga joxe wat ko lool neena loolu mo yaq lepp Cheikh Lou vient de démontrer que le devoir de transmission c'est aussi le devoir de valorisation du legs. Parce que la préservation ne se limite pas à la préservation de la lettre, mais elle doit se poursuivre, cette transmission, cette préservation, par nourrir l'esprit et l'âme dont la lettre est l'enveloppe pour que cela soit plus bénéfique pour les générations à venir. Et voilà ce que Tcherno nous démontre en prenant le manuscrit de Cheikh Sadou Nour, en l'exploitant, en le commentant et en le mettant à la disposition du public. Et quand on met à la disposition du public, on permet au public d'apporter une valeur ajoutée. Merci Cheikh Sadou Nour. Madame, qui se vision dans le royaume d'Ahbab, à Krabi Kabi, pour que nous fassions du coup de nuit c'est les filles à Mouret. Mais fassions du coup, vous voulez, attestation, vous voulez, c'est une attestation, c'est un témoignage qui doit s'articuler autour de la vérité, parce que le Coran nous y invite, ou la dame de ce Hakabi Bakili, ou la dame de Hakabi Bakili. Quelle est la vérité aujourd'hui? Le thème que vous avez choisi nous éclaire. Il y a un déséquilibre de nos valeurs. Il y a un recul menaçant. Le ministre Samassi vient de nous en donner quelques lignes. Un recul menaçant même leur disparition, la disparition de ces valeurs. Est-ce la volonté de Dieu? Nous tiendrons et pour nous rendre nous pour nous faire un coulaire comme une drogue le yann, mais pour nous c'est l'anmoji sous le walou parce qu'il nous aide à identifier les facteurs. Est-ce la volonté de Dieu? Comment comprendre dans cette situation la part des humains que nous sommes en interrogeant le verset de la sourate Al-Anfal? ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسكم ما بأنفسهم لن ميسن بمتلون quelle est notre part dans ce changement dans cette régression لن ميسن بمتلون il nous invite à nous réinterroger en observant, à diagnostiquant les facteurs, à réinterroger aussi notre part de responsabilité à travers l'autre verset. Il n'a pas à la nourriture, ma bétomie, à ta nourriture, ma bétomie. Si donc on a un recul de nos valeurs, au point que notre société soit déséquilibrée, c'est peut-être parce que nous n'avons pas respecté l'injonction divine à la totorophilmida. Je ne vais pas faire de conférence à la place de l'éminent professeur. Je voulais simplement montrer que Tcherno, dans cette vision, nous invite à une réintrospection, à une réinterrogation de nos références, de nos vécus et de notre tension vers l'avenir. Or, le poète l'avait dit. Bala innamal umamul akhlaquma baqiyat, fa innahu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Le professeur Becha, que vous connaissez en tant qu'historien, en tant que sociologue, en tant qu'intellectuel, en tant qu'observateur de la société, ayant une perspective historique, un vécu factuel et une vision de l'avenir, le professeur va
nous délivrer le fruit de ces réflexions éclairées par la vision de Charles. À sa suite, Moucha Mangal, les éminentes personnalités représentant les foyers religieux qui ont laissé leurs empreintes, aujourd'hui les empreintes les plus visibles qui nous ont rassemblés, ce sont celles laissées par Tcherno Salino Moutal et par Tcherno Moutalatam à la suite de Cheikh Oulhaï Romano Fouti et de ses héritiers au Sénégal. Ils nous ont montré que la vie n'est digne d'être racontée que lorsqu'on laisse aux générations à venir un legs. Et nous, en tant que leur héritier, nous devons remercier Allah Azzawajal, prier pour eux, parce qu'ils ont été fidèles dans l'accomplissement de leur convention, de leur accord avec Allah Azzawajal. Ils font partie de ceux dont le Coran parle en ces termes, « Minal mu'minina ridalu sadaqu ma ahadu wa alayhi » فمنهم من قضى نحبه رضي الله عنهم اجمعين ونحن من المنتظرين nous qui sommes là dans l'attente de les rejoindre dans les prairies d'Allah Azza wa Jal, qu'allons-nous faire de cet exemple ومنهم من ينتظر وما بعد من تبديل جعلنا الله من المنتظرين Voilà ce que Tcherno a tracé pour vous. Recevoir le lait, témoin de vérité, le fructifier et le transmettre tel quel en termes d'essence, mais le transmettre avec une valorisation en termes de valeur ajoutée. Le professeur Mejian va nous délivrer son message à la suite de lui. Nous avons Tcherno Saïd Nour, l'imam. Nous avons Dr Bachir Mouan. Nous avons l'ami, le frère Mambo Carignan. Nous avons l'ami et le frère Cheikh Khalim Lou. Nous avons également notre frère bien-aimé Sédina Issalaï qui vont intervenir pour apporter les enseignements, les renseignements, les orientations, les rappels qui viennent des foyers qui nous représentent. Pour terminer, Tcherno, je donne la parole au conférencier en demandant, en implorant d'avoir un peu qu'il afflue sur cette assemblée ses bénédictions et les lumières Amen. Du prophète, l'Al-Habib Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Salam wa salam ala shakil mursali, si bina wa maulana, sallam wa rafa al-Mustafa, wa ali wa sahabi, ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ala mursali, ala sallina wa sallam. Quand on est de la même formation, par essence et par vocation, on devient interchangeable. Après cette interruption magistrale de mon frère, de mon ami, de mon collègue, professeur Abdel Iskéré, mon ami aurait dû faire des prières et libérer la séance. Mais pour avoir été invité, je me fais le devoir d'ajouter quelques miettes au plan substantiel qu'Abdelaziz nous a déjà servi. Les réflexions que je vais soumettre à l'approbation de cette salle d'érudits ont été conceptualisées, rassemblées il y a deux jours à peine. Parce que c'est mardi,
à 14h précisément. Mon collègue le professeur Poma m'a appelé pour me dire pour la ziara annuelle de la famille omaïenne, je devais délivrer une conférence. Je ne peux plus pour des raisons objectives. J'ai demandé à Cheikh Madani de vous demander si vous pouvez me remplacer. Il dit Cheikh Madani ne peut pas vous mettre dans l'embarras de me demander de choisir dans ses désirs. Sur ce que je fasse une conférence aujourd'hui, je vais la faire. Oui. Parce que pour moi, c'est un honneur immense de parler sur les intentions de Cheikh Madani et de sa distinguée famille et de m'adresser à des gens qui savent, quand on s'adresse à des gens qui savent parler de bien facile. La hadra de son petit jali est une hadra de savoir et de connaissance. Vous imaginez mon émotion forte. Je pense d'abord au mien, de mes parents. Mes parents. L'historien que je suis a identifié au moins 5 générations dans ma famille. Donc, du côté de mon père, les Tchab qui viennent du Fouta. Du côté de ma mère, les Dissé qui viennent également du Fouta. Qui ont été horrorisés par la société assimilationniste d'Igorofe. Mais dans ces 4 générations, je n'ai pas trouvé un seul homme ou femme qui n'ait pas cru profondément en Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui n'ait pas cru dans son prophète et qui ne s'est pas très tôt identifié au message. Donc, je pense à tous ceux-là, mes grands-parents, mes parents, qui ont labouré le champ sur lequel aujourd'hui je ne peux que récolter. Je pense dans cette salle à un de mes maîtres, particulièrement marqué, qui aurait été fier aujourd'hui de constater que ce qu'il a semé a produit. Je veux parler de feu de professeur Omar Tani, qui a été mon maître à la faculté de lettres au département d'histoire. C'est lui qui, très tôt, nous a enseigné à travers les annales, dont seule l'histoire a le secret, les subtilités historiques du passage du Fouta des Satini au Fouta des Balmani. Passage de rupture sociétale qui a uni l'ensemble de notre société, du fleuve au nord, au fleuve au sud, aux rivières du sud. Omar Khan est pour nous, avec feu mon maître, payé, ceux qui nous ont forgés dans la quête de notre hier pour comprendre notre aujourd'hui et projeter notre demain. Je pense avec un pincement au cœur, tout en sachant que malgré qu'il soit parti depuis, il est toujours là, surtout quand on parle de ce moment. Je pense à mon ami, le professeur Sabatier. Petit militant de la Hadra, un passionné de ce roi, qui réussissait chaque fois qu'on en parlait dans son bureau ou dans le mien à nos arrachés. Et là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait agréé ses bienfaits à tout son monde. Cela dit,
de parler au nom du Khalif. Je l'ai fait parce que je suis un interprète apprenant et donc un interprète. Je l'ai fait parce que je suis un passionné, un amoureux, dirais-je. Je suis le diable tout le temps. Moi, je n'ai jamais serré la main de son amour tout d'un temps. Et du fond de cela, en fait, je confesse que personne ne peut l'aimer plus que vous. J'avais un respect profond, une admiration profonde pour l'éthique de leadership. Un commandant attribué autour du service des missionnaires au service de la Soudan Oda, son prophète, et surtout de la famille du propagateur de la Tidjania dans nos régions et dans nos pays. Mais aussi le thème m'interpelle, m'intéresse. Depuis 2 à 3 ans, ceux qui me connaissent savent que gratuitement, je tire de mon temps 2 journées par semaine pour m'adresser au Sénégal, librement. Et mon thème préféré, c'est les valeurs morales, les valeurs sociales, qui sont le fondement des valeurs spirituelles dans notre société. Ma conviction est que d'intellectuel, que ni le pétrole, ni le gaz, ni le riz, ni quoi que ce soit, ne pourra faire notre bonheur tant que nous ne baignerons pas dans les qualités intrinsèques, morales, éthiques et spirituelles de l'islam. C'est la raison pour laquelle j'ai un plaisir de partager avec vous quelques éléments que ma formation et mon métier d'archiviste, de documentaliste et d'historien m'ont permis en 2 jours de glaner pour les partager avec vous. Je ne suis pas un enseignant dans un académia. Quand j'ai été coopté parmi les experts du sommet mondial pour la société de l'information, nous avons conclu à Tunis en 2006 pour théoriser, pour définir la société de l'information. Quelle était en réalité après la société industrielle, après la société des services, elle n'était rien d'autre que la société des services. Partager ça avec des millions de personnes à travers le monde.
la productivité la plus élaborée aujourd'hui, c'est celle de l'information. Sous quelle forme que ce soit, pour quel objet, pour quel sujet que ce soit. Jusqu'il y a 30, 40 ans, on produisait de l'information selon des canaux de conception, de construction, de critique et de validation. Aujourd'hui, chaque citoyen du monde, où qu'il se trouve, peut, à partir de son smartphone, créer de l'information immédiatement. Or, cela est un avantage pour le monde, mais c'est aussi un gros danger pour le monde. Parce que l'information n'a pas été souvent authentifiée dans le sens archivistique du terme, validée dans le sens académique du terme, encadré dans le sens scientifique du terme. Si le Coran est pour nous un livre de référence, c'est qu'il est passé par les canaux de l'authentification, de la validation et de la diffusion. Or, aujourd'hui, on crée et on diffuse sans preuve. La deuxième caractéristique, c'est l'interactivité de la diffusion de l'information. Quand vous lancez de votre téléphone une information, 30 secondes après, des centaines de personnes vont réagir et répondre. Pour soit améliorer, soit diminuer, soit critiquer, soit renier. Où se trouve après la validité? Au-delà de la valeur informative, où se trouve la valeur probatoire? Nous serions, disons, la valeur d'utilité sociale. L'autre caractéristique, c'est la diversité, évidemment, des opinions qui s'entrechoquent. Nous sommes donc dans ce que nous avons appelé, dans le contexte du sommet mondial pour la société de l'information, dans la globalisation, laquelle est à la fois ouverture, donc contact, en réseau, intégrée, mais surtout contrainte, à côté des opportunités, pour finir par être ce que Huntington appelait le choc des civilisations. Et les sociétés qui ont été préparées à cela, parce qu'ils l'ont pensé dans leurs officines avant de le mettre en œuvre, en tire de profit hégémonique. Les sociétés qui n'ont pas été préparées, parce que n'ayant pas participé à l'élaboration du programme, mais subissent la société de l'information. Notre société sénégalaise, africaine, subit plus qu'elle gère la société de l'information. Les conséquences en sont multiples. Parce que, d'abord, une société de facteurs d'agression de convictions endogènes. Certes, en nous amenant la technologie, la science de l'information et de la communication, la démultiplication des sources d'accès à l'information, la mondialisation nous projette dans une sorte d'égalité entre les sociétés et les cultures. En réalité, ceux qui l'ont pensé dans des officines où on change de concept pour identifier l'impérialisme, toutes les générations ont pensé que la meilleure forme de domination aujourd'hui n'est pas capitalistique, c'est-à-dire axée autour d'une technique de domination de l'investissement résultat, mais dans l'acculturation, dans le renoncement de certains à leur culture, à leur passé, mais pour s'universaliser dans une sorte de mimétisme qui fait que on identifie le meilleur et que tout le monde s'aligne derrière le meilleur en oubliant le passé. C'est ce que les termes de référence de la 43e Ziara appelle la détérioration des valeurs. Senghor parlait
de détermination, de termes de l'échange. Aujourd'hui, on en est à la détérioration des valeurs. Les termes de l'échange ne seront jamais égalitaires. Mais les valeurs, par contre, sont faites pour être immuables. J'y reviendrai. Autre conséquence, la perturbation des spiritualités séculaires. Nous sommes, nous, Sénégalais, quoi qu'on dise, une société de spiritualité. De spiritualité dans le temps. Les historiens les plus pointus suivent l'arrivée de l'islam dans notre société, entre le 6e et le 8e siècle, même si on ne la connaît pas. Quand elle est arrivée, c'est parce qu'elle a trouvé dans notre société des modes d'action susceptibles de l'accueillir que l'islam s'est cristallisé chez nous. L'islam ne se domestique pas. Elle entre en fusion avec les sociétés qui ont, avant leur islamisation, des facteurs d'adaptabilité, j'allais dire d'accueil et de réception de son contenu. C'est pourquoi notre société pré-islamique avait construit un ensemble de valeurs qui ont fait que, quand l'islam est arrivé, elle a trouvé un terreau fertile. Et nous y avons tiré, reconnu des corrélations possibles. Ce n'est pas la même chose qui est arrivée partout. Et le terreau géographique ou géo-historique de la vallée du fleuve qui a joué un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, la constatation la plus importante, c'est justement la perturbation de nos spiritualités séculaires, la perturbation de nos convictions morales, bref, la perturbation de nos convictions éthiques. Cet affrontement aboutit à créer des facteurs d'intolérance et de violence. Dans cette salle, nous avons organisé, après Iskébé et moi, et bien d'autres de la série d'Aouya Tidiane, en 2010, un symposium dont le thème était radicalisme et radicalité, les réponses de l'islam et de la Tidiania du Sénégal. On en est aujourd'hui, 10 ans après, 15 ans après, à tourner les mêmes questions. Ghazali dit de ces situations de conflit que le résultat, je le cite, ne peut être que catastrophique. Et ce résultat, Ghazali dit que c'est un monde de misère, formé d'un déséquilibre entre les progrès matériels et les valeurs morales. Déséquilibre entre le progrès matériel et les valeurs morales. D'où, évidemment, de la part de nos guides, non pas seulement exclusivement spirituels, mais aussi religieux ou sociaux, des inquiétudes de portée eschatologique. C'est la raison, une des raisons de ma compréhension du thème de cette 43e Hijra. L'éthique en islam, solution et remède. Selon Youssouf al-Hardawi, l'islam est avant tout un message porteur de valeurs et d'éthique. Pourquoi Allah ne peut prospérer que si le pauvre est l'enferme et de qualité. Il cite à cet égard le prophète de l'islam, qui a dit « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. » J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. C'est-à-dire travailler sur les valeurs morales, les valeurs sociales. L'islam attache donc étroitement aux actes du culte. C'est ainsi que d'ailleurs le Coran, en rappelant les piliers de la religion,
en dégage pour chacune une dimension éthique et morale au-delà de l'aspect culte. En effet, derrière l'affirmation irrévocable de l'unicité du Créateur et de l'intermédiation de son unique envoyé, c'est la shahada ramène les musulmans aux valeurs d'autorité, de prééminence. Le deuxième culte, la prière, la salat, préserve de la culture. La prière, les cinq prières, sont le premier symbole de la ponctualité. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire prier cinq fois par jour, sans situer chronologiquement la prière. Mais nous prions à des heures précises, de ponctualité. Quand nous prions, nous sommes disciplinés. Le musulman en prière est une personne disciplinée. L'ensemble de ses actes sont conformes à l'acte qu'il pose. La prière est détachement. Quand vous priez, vous écartez de tout ce qui vous entoure, quel qu'en soit l'intérêt matériel ou autre. Mais la prière est aussi humilité. Quand vous prosternez le front, la terre, vous dégagez toute ambition de priorité personnelle. L'impôt social, la zakat, est un purificateur des biens acquis. Ceux qui se préoccupent de la zakat n'acquièrent pas des biens mal acquis. Donc, parce que c'est un acte de solidarité, de reconnaissance de l'autorité par l'amputation de ses biens. Le jeûne, Soum Ramadan, éduque à la modération, à la résistance aux tentations naturelles. Celui qui a tout ce qu'il faut pour manger supporte la faim. Tout ce qu'il faut pour boire supporte la soif. Mais parce qu'il est en connexion, en lien plus profond que ça. Enfin, le pèlerinage, est une forme de communauté. Il ne saurait donc y avoir dans une société islamisée de dissonance entre l'éthique d'une part et la science, la politique, l'économie ou même l'art. En société de musulmans, tout est éthique parce que tout est comportement. Ibn al-Khayyam, Khayyim plutôt, résume cela quand il dit la religion est l'éthique même. Et celui qui a plus de sens moral que toi est bien plus religieux que toi. Entre deux, répondant à l'islam, dit celui qui a plus de sens moral est bien plus religieux. C'est que Khalid Latif conforte en affirmant, je le cite, l'islam est un mode de vie complet. Et la moralité est l'une de ses pierres angulaires. La moralité est l'une des sources fondamentales de la force d'une nation. Tout comme l'immoralité est l'une des principales causes du déclin d'une nation. Chacun de nous peut observer dans l'espace public de notre pays le déséquilibre permanent, la lutte permanente entre la morale et l'immoralité. Dieu confirme ses auteurs dans le Coran en disant, c'est 49, 13, certes, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui a la meilleure conduite. Pour dire quoi? Que la moralité en islam touche à toutes les sphères de la vie du musulman. Elle est universelle dans sa portée et son applicabilité. Le musulman doit non seulement être vertueux, mais doit aussi enjoindre la vertu. Et pour comporter tout cela, aller vers la fin, on invoque le témoignage de celui qui a été envoyé pour nous enseigner ce à quoi nous croyons, à travers un symbole du savoir qui est le guide.
Moi, j'enseigne dans une école de bibliothécaire et archiviste. Et je rappelle toujours aux étudiants que s'ils réfléchissaient un temps soit peu, ils se demandaient pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'on appelle les grandes religions, les noms des religions du livre, quand il envoie Moussa, il donne un livre. Quand il envoie Issa, il lui donne un livre de manger. Quand il clôture les révélations, il envoie notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant un livre. Pourquoi n'a-t-il pas donné un livre à celui-là, une pierre à l'autre et un bâton? Parce que le symbole de la connaissance qui mène à la conviction, et c'est le savoir. L'islam donc est une religion du savoir, non pas pour le savoir, mais du savoir pour instruire le savoir-être, la vie en cours. Et le prophète dit, dans ses recommandations, il faut demeurer conscient en Dieu, en privé comme en public. De vie. Deuxième commandement, il faut parler avec honnêteté, que l'on soit en colère ou de peur. Nous nous occupons de la vérité, mais la vérité qu'on prononce en y mettant autant de contenu dans la terminologie que de contenu dans l'objet. Troisièmement, être modéré, que l'on soit pauvre ou riche, pour cultiver quoi? L'humilité de son prochain. Quatrièmement, renouer avec les amis qui ont cessé de nous parler. C'est le sens du pardon. De l'oubli rédempteur, d'un oubli qui permet à l'autre de se racheter et de se rapprocher. Cinquièmement, donner à ceux qui refusent de nous donner. Ouverture, solidarité. Et enfin, comment Dieu devient autour de toi le culte du bon, le culte du beau par la paix. Alors, comment arriver à ces nobles objectifs au Sénégal au 21e siècle? Je termine par cela. En revenant, en opérant un retour, ce que j'appelle aux valeurs fondatrices de notre société. Interroger le parcours de notre société avant et après l'islamisation. Ce qui me coûte souvent, entendre répéter à satiété qu'une des faiblesses de notre parcours politique contemporain, c'est que beaucoup, parmi ceux qui légitimement, même sincèrement, veulent diriger le Sénégal, ou le dirigent, il y a très peu qui connaissent le Sénégal. Quand on ne connaît pas une société, on ne peut pas la transformer. Ceux qui ont réussi entre 1890 et 1919, fin de la Deuxième Guerre mondiale, à organiser la société désarticulée par la percée coloniale, ont appris le Sénégal en profondeur pour la transformer. C'est pourquoi les historiens que nous sommes disent toujours, les confréries ont remplacé, du point de vue du leadership, et les royautés dissous par la percée coloniale, en réorganisant les sociétés. Il nous faut donc retourner à l'apprentissage de notre sein. À travers quelques-unes de ces qualités qu'on peut appeler des valeurs humaines. Valeurs d'honnêteté, le tchon, comme on dit en Wolof. Vous m'excuserez, j'ai perdu ma polarité dans l'espace d'assimilation du Wolof Nigorof. Mes parents parlaient pour calculer, moi je ne parle pas un seul mot. La dignité, Ngor.
qui fait qu'en toutes circonstances, dans tous les contextes, on veille à ce que demain, quand on témoignera, on puisse dire « Ah, il était là !» Mais il a assuré, comme on dit, dignement. La droiture, Ndjouk, en toutes choses, avant de dire, avant de faire, donc je répéterai demain devant Allah subhanahu wa ta'ala ce que je dis ou que je fais, mais comment dire et comment faire. Surveiller son langage, c'est la chose la moins bien partagée dans notre société aujourd'hui. La vérité, Dieu, en toutes circonstances, dire la vérité. Mais comme nous dit appelé Mouraï Abdel Dabar, quand vous apostrophez quelqu'un pour lui dire la vérité, vous transformez la vérité en agression. Vous parlez aux gens dans la vérité, dans le respect de leur dignité. Cinquième ou sixième, le yard, éduquer dans notre société. Éduquer dans le sens de quoi? De la sociabilité. Préparer la personne à intégrer un groupe et à ne pas être une menace ou un danger pour le groupe. On n'a pas attendu nous quelque intérêt que ce soit pour cela. Je termine par le yep, respecter les gens. En respectant à travers leur présence celui qui les a créés. Quand on voit en toute personne une créature de Dieu, mais on ne peut plus s'amuser à apostropher la personne, parce qu'on apostrophe en réalité Allah subhanahu wa ta'ala. Notre société prépare-nous à ça. Il nous faut, deuxième élément avant de terminer, réinventer notre modèle éducatif. Je le dis depuis les États généraux. Tous les gouvernements qui sont passés ont essayé sincèrement, légitimement et légalement, parce qu'ils en avaient les personnes n'ont encore inventé le modèle éducatif sénégalais. Le modèle éducatif sénégalais partira d'une analyse de notre environnement. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Sénégalais, Africains et croyants, qu'est-ce que nous voulons être dans la mondialisation? En respectant les autres et en nous faisant respecter. Pour cela, comment pouvons-nous, devons-nous préparer toute personne qui naît dans une société, dans notre société, à être un citoyen dans nos pays et un citoyen du monde? Cela passe indubitablement par le modèle éducatif. Or, ceux qui sont partis de pire à partir d'une promotion pour renverser le pouvoir de Satidi et instaurer la Mamia et mettre en place une constitution qui est plus avancée que celle de 1789 en France qu'on invoque dans notre constitution. Plus avancée que la révolution américaine, qu'elle a précédée de 7 ans. Qui a pensé à eux en faisant, en écrivant nos constitutions depuis 1960? Qui a pensé à eux en mettant notre modèle d'école, qui n'est rien d'autre que l'école de jeunes filles, qui n'est rien d'autre que l'école qui a été pensée dans des officines où le projet social était à l'intérieur intégré dans le modèle éducatif. Il nous faut donc réhabiliter notre modèle éducatif, c'est-à-dire repenser ce que doit être un enfant qui naît dans notre société, éduqué dans notre société, mais dans nos valeurs sociales, parce que nos valeurs sociales, nos valeurs morales, qui n'ont aucune contradiction avec les valeurs éthiques de l'islam, ne peuvent avoir aucune contradiction avec les valeurs nordiques, américaines, anglo-saxonnes et françaises. C'est cela qui va nous amener au troisième, qui est la réhabilitation de notre modèle social.
Vous dites, moi, le Seigneur, j'ai besoin d'une minute pour lire l'extrait de Anneau tiré de règles de mon comportement. Il dit Anneau, je le cite, la foi en Dieu implicite nécessairement que l'on éduque ses instincts et son âme. C'est un autre. De sorte que l'instinct et l'âme deviennent conformes à la volonté divine. Et que sa loi, qu'elle s'oriente conséquemment. Le comportement, dit à nous, est l'aspect extérieur significatif de l'intérieur de l'être. Récemment, j'étais avec mon petit-fils sur le péage pour aller à Trois-Pierres. Quelqu'un devant nous qui conduisait une voiture plus jolie que la mienne, plus puissante que la mienne, a jeté les épluchures d'une banane qu'il mangeait dans une voiture. Mon petit-fils me dit, mais papy, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, il vient de te montrer ce qu'il est. On n'a pas besoin de savoir qui il est. Pourquoi à nous dit le comportement est l'aspect extérieur significatif de l'intérieur de l'être. Il ajoute, les agissements de la personne témoignent de ses pensées et de sa volonté. Les agissements de la personne témoignent de sa moralité, de ses pensées et de sa moralité. Ce que on peut se cacher. Mais quand on parle, on commence à se dévoiler. Ainsi, la moralité de quelqu'un est-elle l'image de sa foi profonde? Pour dire et terminer, mesdames, messieurs, que je suis sûr que je n'ai pas fait comme à mon habitude comme pour magistrat. Parce que quand je le fais, je suis devant des étudiants. Mais quand on est dans l'espace de Saint-Étienne, près de Tarare, dans la concession du propagateur de son message en Afrique, Chabon Koukou, près de Tarare, on est en réalité toujours en séminaire, c'est-à-dire en partage de savoir, de connaissances, en discussion, pour chercher ensemble la vérité. Vérité qui, quand elle est vérifiée, conduit inéluctablement vers le Créateur qui est le seul dépositaire de la vérité. C'est sous le rapport de cette conviction que, sans me hasarder à la comparaison, j'emprunterai à mon frère, à mon ami, à mon guide, Al-Mali, il ne t'a pas sa formule quand il est au Kéleba. Oumiyin, yu'allimu alam yadi. Oumiyin, yu'allimu alam yadi. Comment ces petits lettres de naissance a pu instruire le monde entier dans les diversités culturelles, dans les diversités ethniques, dans les diversités de trajectoires historiques. Al-Malik Maoudou dit, c'est parce qu'il était porteur de la vérité divine, porteur de la vérité qui ne changera jamais, parce qu'elle est l'essence du musulman, elle est l'essence du croyant. Cher Ramadani, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous garder longtemps, longtemps, très longtemps, sur le terrain de tes devanciers, pour la propagation de la religion de la vérité, pour la propagation de la religion du bon et du beau, pour la religion
vérité pour laquelle la nouvelle partie de Aloha a traversé l'Afrique de l'Ouest dans tous ces espaces et a laissé des traces partout, indélébiles, parce qu'il a semé partout où il est passé la vérité islamique. Je veux parler de ce roman. Nous ne l'avons pas vécu, mais moi je l'ai vécu scientifiquement. En étudiant l'histoire de mon grand-père, le dernier Bourgois d'Europe, l'Angouridien. Au mois d'octobre dernier, j'étais à Niamey pour prononcer une conférence à l'occasion de la réhabilitation de la mosquée de Dosso et du mausolée de l'Angouridien qui est enterré. L'Angouli fait partie de l'héritage de ce roi. J'ai découvert dans les archives qu'en 1883, précisément au mois de février 1883, Murtada, fils de Cheikh Omar, est venu trouver l'Angouignac à Yanyan pour lui dire de la part de Amadou que Cheikh Omar l'avait élevé au grade de Mouhaddam et que le prix à payer, c'était de renoncer à son pouvoir et de aller prendre le drapeau de la résistance. Il reviendra à Murtada en 1888. J'ai retrouvé des traces. Et à ce moment, Al-Ghouri lui a dit, je vais partir. Et il est parti. Et du Massina à Dosso, sept pays traversés, parmi lesquels il a toujours combattu pour le drapeau de l'islam et surtout pour le drapeau de la Tijaniya. La lettre de commandement du gouverneur du Sénégal au colonel Dox pour attaquer Yanyan en mai 1890, que j'ai consulté, se termine par cette phrase sibylline qui était un doigt pointé vers Al-Ghouri et qui pour nous, descendants de Djolof, un titre de noblesse. Le gouverneur disait à Dox, je le cite, il est temps pour la colonie de se débarrasser, en parlant d'Al-Ghouri, de ce vieux Tidjan entêté. Fin de citation. Et c'est pas pour rien que Al-Ghouri mort une dizaine d'années après son départ, soit enterré dans l'enceinte d'une mosquée où tous les jours on s'agrandit la Wadifa et la Djawa. Où Yaye Arambo, qui est la seule et unique femme qui l'a accompagné de Yanyan, où ils sont partis le 24 mai 1890 à 8h30, revenu à Yanyan où elle est décédée en 1926. Rapporté que quand Bouna, le fils de Al-Ghouri, rattrapé par Dops à Kayedi, a été intronisé le 17 août 1895, Bourbakero, revenu 6 semaines avant du collège à la ville de Tunis. Al-Ghouri lui a dit le matin, dans les grottes de Banjagara, Cheikh Omar Fayoul Namati Touadi, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.